Bon, mais salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour tracer des réductions concentriques au diamètre qu'on veut. C'est-à-dire que voilà, on va devoir couper parce que là c'est trop petit ou là c'est trop grand. Donc voilà, moi je vous donne une technique de chantier. Donc là, si on regarde cette réduction, on voit que c'est du 150 par 69, 70. Ok. Et moi, ce que je voudrais, alors, on va dire qu'au lieu d'avoir 70, je voudrais 88,9. Donc là, du coup, on a 70. Et moi, je veux passer à 88,9. Donc, c'est tout simple, hein, un truc de chantier tout bête, en fait. On va se servir de l'étau. Donc là, on sait qu'on a 70. Et on veut 88,9. Alors, ce qui est quand même important, c'est que on regarde quand même avec une plaque, n'importe quoi, disque à tronçonner, plat. Voilà, ça va bien. Donc, je mets juste un petit niveau, puis il faut au moins un côté de niveau. Bon, ben là, on voit qu'on n'est pas terrible, mais après, je vous fais voir. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est régler les mâchoires de l'étau à 88,9. Bon, bien sûr, on va arrondir. 89. Vous voyez, j'ai un étau, il est comme tout le monde, il est à moitié pourri, mais bon, ça marche. Hein. Donc là, je suis un peu grand. Ok, voilà, là, je suis à 89. Ok. Bon, ce qui est quand même important pour mettre bien notre réduction, c'est que quand même l'étau soit un minimum de niveau. Un minimum. Donc là, si on regarde, ben, il manque un tout petit peu. Alors avant de tracer, puisqu'on a 88,9, moi je vais vite glisser une servante dessous. Ça c'est une servante fait maison, je ferai aussi une vidéo sur ces servantes qui sont pratiques en fait, et se les bricoler soi-même. Donc voilà, je suis pas tout à fait de niveau, ben voilà, ça vient là, je suis nickel. On est bien, surtout celui-là là. Voilà, donc là on est bien. Ici, on a notre 89 pour les 88,9. Et bien maintenant, je vais prendre ma réduction. Ce qui est important aussi, c'est de mettre un stylo. Voilà. Et en fait, je remets mon niveau sur ça, sur la réduction, à l'aide du disque. Alors, c'est surtout celui-là qui est important. Celui-là, on fait attention que ce soit pas mal non plus. Voilà, là on est bien. Ben, du coup, j'ai mon stylo là. Et ben, je vais tracer ici. Je suis pas mal là. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait une trace. Et là, je suis tranquille. Ma trace, elle est là. On la voit. Ici. Voilà. Bon, ben après, pour tracer la coupe. Moi j'ai un truc fait maison qui va bien. Donc j'ai plus qu'à me régler. Ah ben, je suis pas loin là, c'est bien. Allez, on joue de la précision. Allez, on va dire qu'on est bien. Ah, je suis un peu au-dessus, mais bon, vous avez compris le principe. Là, je tourne ma réduction. Le Truskin, il est fait maison et ça va très bien pour ce qu'on fait. Hein. J'en ai un autre aussi professionnel, mais celui-là, je l'ai fait moi-même. C'est bien, ça marche bien. Bon, ben voilà, notre coupe, elle est tracée. Bon, je vais pas vous faire la découpe pour vous dire, voilà, c'est 88,9. Vous verrez que ça marche très bien, c'est très simple. Et puis, ben, on fera une autre vidéo pour le traçage de réduction au diamètre voulu, mais par calcul. Donc voilà pour cette vidéo. C'est une technique de chantier, et puis ça marche très bien. Allez, ciao les métalleux. Salutés.